Bonjour à tous, amis, c'est Gaël de Toulon. J'espère que vous êtes en super forme. Pour moi, c'est super. Les copains, la petite vidéo du vendredi matin. Je vous la tourne jeudi soir. Tout simplement, les gars, qu'est-ce qu'on va faire? On est sur le compte de level 1 d'après vous. J'ai demandé l'autre jour, lors de la vidéo, où on a acheté tous les skins sur tous mes comptes. Enfin, sur mes deux comptes en réalité. Pas sur tous les comptes, j'en ai 10. Ça m'aurait coûté assez cher. Est-ce que vous voulez qu'on fasse une vidéo pack opening? Et là, j'ai vu que la vidéo, plutôt que les offres, partaient dans 13h51 minutes. Donc, du coup, demain matin, quand vous verrez la vidéo, les offres ne seront plus disponibles normalement, ou elles seront encore disponibles quelques heures, mais pas longtemps. Alors les gars, la mission qu'on a aujourd'hui, elle est simple, c'est qu'on va acheter les deux offres, on va dépenser 35 €. Ouais, je sais, c'est une somme les gars, mais en vérité c'est pas si grave que ça, parce que certes on va mettre 35 € dans le jeu, mais on va surtout récupérer des gemmes. Regardez, l'offre à 25 € elle donne 250 gemmes, donc elle donne à peu près, on va dire à peu près 15 € de gemmes et 10 balles les 12 mégaboîtes, donc ça va, ça reste correct. On va pas se faire, les gars, on va pas se faire escroquer du tout, parce que pour moi, c'est rentable, et surtout, on va pas se faire escroquer une deuxième fois, parce que regardez, les gars, on a 3 brawlers débloqués, et croyez-moi, je compte bien repartir avec au moins l'un d'entre eux. Lou, clairement, elle est pas désirée. Hein. Ah, je vous le dis de suite, les gars, moi, quand je dis que je veux repartir avec l'un d'entre eux, je parle de Emery et Ampre en grosse, grosse, grosse priorité. Donc, les copains, n'hésitez pas à m'exploser le code créateur Gaël, une fois de plus, vous êtes vraiment la famille. J'ai pas mal de frérots qui ont acheté les skins du club des punks avec le code, et ça, ça fait grave, grave, grave plaisir. Et si jamais vous êtes sage, voilà, qu'on s'ennuie un petit peu vers la fin de la vidéo, je suis en train de fermer la fin du Brawl Pass, car le pass dure plus de 10 jours, on a encore largement le temps de le finir. Mais je pense qu'on va d'ailleurs se faire 2-3 boîtes starter ou pas, les gars? Petit starter tranquillou, qu'est-ce que vous en pensez, les frérots? Est-ce que vous avez... Attendez les gars, avant qu'on commence les gars, est-ce que vous avez activé le petit pouce bleu sous la vidéo? Est-ce que vous êtes toutes et tous bien abonnés à la chaîne? Cloche de notification y compris, tout est bon? Ok, ok les gars, c'est parti. On est parti pour l'aventure pack opening. Je sais que vous êtes encore en vacances pour la plupart, profitez bien. Et je vous cache pas que je suis encore en vacances moi aussi, ça fait plaisir. Ah, ça fait plaisir les gars, c'est vrai qu'on a un petit peu moins publié cet été. Mais on a envoyé des bonnes vidéos, je suis content, j'ai la vidéo des 41 000 trophées qui arrive, hein. Je vous ai pas du tout oublié les frérots, elle arrivera demain matin, ouais. Si vous êtes chaud, si vous me défoncez les pouces bleus, dites-moi en commentaire d'ailleurs, les gars, est-ce que vous la voulez? Est-ce que vous la voulez? Il y en a une encore plus, est-ce que vous voulez celle des 41 500? Franchement, les gars, croyez-moi, celle-là, les gars, elle va être compliquée à obtenir, donc j'espère vraiment que vous allez être chaud pour qu'on aille se la chercher. Alors, je me suis mis à bégayer légèrement parce qu'on est sur un compte de pouvoir 1 pour ceux qui n'ont pas suivi. Et du coup, un 6, ça veut forcément dire un nouveau brawler. Ça veut forcément dire peut-être Lou. Ou ça veut forcément dire un légendaire. Donc, franchement, les gars, croyez-moi, d'entrée, là, d'entrée. Et ça fait combien de temps, là? Ça fait 3 minutes pile poil qu'on break, les gars, un peu plus. On est déjà sur un clignoting de qualité parce que c'est un brawler. J'espère que c'est simplement une légendaire. Les gars, c'est un moment solennel, c'est un moment important, c'est un moment, ce que vous voulez. Prêt? 3, 2, 1. Ah, c'est Lou, vas-y. Ah, d'un côté, je suis content, d'un côté, c'est le moins désiré des trois. C'est le brawler le moins désiré des trois, Lou, les gars. Franchement, c'est pas mal, mais ça vaut quand même pas une légendaire. Hein. Ça vaut quand même pas une légendaire. Est-ce que vous voulez pas qu'on parte sur les offres directement? Je pense qu'on a l'air plutôt chaud là. On se fait ça là. Oui, on va partir directement sur celle à 25 balles, les gars, on s'est compris. On s'est très très bien compris. Je sais que vous avez pas le temps, ça tombe bien moi non plus. Go! Alors l'achat a bien été effectué, 25 €, oui, les gars, 25 € en moins sur le compte en banque. La banquière, elle va m'appeler, elle va encore gueuler. Mais c'est pas grave, il y a les priorités dans la vie, voilà, les priorités dans la vie, c'est Brawl Stars en ce moment, en tout cas. Alors, première mégaboîte, elle est éclatée, on en a 12, hein, donc on est parti pour 12 mégaboîtes, les gars. J'espère vraiment que ça vous fait plaisir qu'on se fasse tout ça, parce que ça me coûte... C'est vrai que c'est la deuxième fois qu'on se prend des offres à 35 balles. Bon, c'est pas la fin du monde, mais quand même, hein, 35 balles, les gars, ça fait une petite somme rondelette, comme on dit. Troisième mégaboîte, toujours rien, la quatrième. Là, les gars, l'avantage, c'est que si ça clignote, on sait que c'est une légendaire. Autant vous dire que je vais péter un câble en vidéo, vous allez commencer à mettre les boules de caisse de côté. Hein. Si jamais, les gars, on a un truc, en vrai, je sais pas. En commentaire, est-ce qu'il y a un mec qui est capable de me le dire, là, sans regarder la fin de la vidéo, sans tricher? Est-ce qu'il y a un mec capable de me dire, est-ce que tonton, tu vas débloquer les légendaires ou pas? J'aimerais beaucoup, mais j'y crois pas trop, en fait. Hein. Je vous cache pas que j'y crois pas trop. Mais c'est à cause de vous que j'y crois pas trop, d'ailleurs. Il y a trop de frérots en commentaire qui me marquent à chaque fois. J'ai 30 000 trophées, j'ai 25 000 trophées, il manque une légendaire, il m'en manque deux. J'ai déjà dépensé je sais pas combien. Enfin, vous me cassez le délire, les gars, à chaque fois. Moi, je suis un grand rêveur et ouais, vous me faites revenir sur Terre assez violemment. Donc ça me fait de la peine, voilà, je tenais à vous le dire, les gars. Mais on va peut-être le choper, quand même.
Alors, je sais plus du tout à combien de mégawatts on est, hein. J'avoue qu'en général, je suis très mauvais en calcul comme ça. Autant calcul mental, on est les boss, autant calcul quand on ouvre et qu'on parle en même temps. Je n'arrive jamais à tenir les comptes plus de 30 secondes. Bon, ça fait de la peine, là, parce que là, on est en train de s'enchaîner des mégawatts. Je rappelle que sur le compte de pouvoir 1, les points de pouvoir, ils servent absolument à rien, les gars. Donc là, on est juste en train de se faire un truc. C'est un brawler ou rien. Voilà, clairement, là, ça sert à rien. Alors, peut-être qu'un jour, on va péter un câble. Je pense pas que ça arrive, en vérité, parce que j'ai déjà 50 comptes maxés, mais on va se maxer un compte. On pourrait, mais il n'y aurait pas d'intérêt sur un compte le balin. Mais on pourrait se le faire largement. On a largement assez de points de pouvoir. Hein. Vous regardez, à part sur les brawlers qu'on a débloqués dernièrement, mais sinon il y a plein de brawlers où il y a des points de pouvoir. Regardez, le monsieur M, 1001 sur 20. Le Spikey que j'ai débloqué il n'y a pas très longtemps, 884. Le Jean, alors lui, le Jean, je crois qu'il est full là. Voilà, 1380, c'est le max. Donc on se met plutôt pas mal. Est-ce que 1380, c'est le max ou pas, les gars? Je crois. Lui, il est pas max. La Belle, elle est pas max. Edgar. Alors, je pose une question. On débloque tout, mais il y a juste... Est-ce que je peux savoir si 1380 points de pouvoir, c'est le max ou pas, les frérots? Eh ben, c'est pas le max. Voilà, 1399. Il y en a encore sur le jean. Ok. Donc, on n'a pas eu de clinching sur ça. On chope des petits doubleurs, mais c'est pas ça qu'on veut, les gars. On paye pas 25 euros pour choper des doubleurs de jetons. Il y en a 40 gemmes dans le shop. Respectez-moi, les gars, s'il vous plaît. Alors, c'est vrai qu'on est déjà à un brawler débloqué. La famille, j'ai envie de vous dire, quand même, on peut pas tout le temps râler. On est déjà à un brawler débloqué. On a 47 brawlers sur 49. Si je dis pas de bêtises, donc ça reste quand même des bonnes nouvelles. Mais c'est un petit peu fébrile. Et s'il y en a qui me disent, c'est quoi ce bug tonton de la nouvelle émoticône? C'est tout simplement l'émoticône du palitre 53 quand vous l'aviez débloqué. Elle apparaissait dans le shop, mais je sais que vous le savez déjà. Mais on va se faire un petit starter encore avec les boîtes du Brawl Pass et après on se finira l'offre à 10 balles. Je crois qu'elle a 10 balles l'offre, je suis même pas sûr, les frérots. Ok, de la Lou, de la Belle. Vas-y, fais-moi un clinching là, s'il te plaît. S'il te plaît, le jeu, sois gentil avec nous, là, que ce soit un pack opening légendaire. Ça fait un petit moment qu'on s'est pas fait un pack opening légendaire, je pense quand même qu'on mérite, les gars. On a été présents tout au long de l'été, on s'est fait des bonnes vidéos pack opening, franchement, s'il y a bien un youtubeur qui mérite, c'est tonton. Mais oui, les gars, on se donne du mal, on met des sommes, là, on met des grosses sommes sur le jeu, quand même, là. Du gold, le gold on prend, alors le gold sur ce compte, on est bien, hein, les copains, 113 000, hein, ça sert à rien, ouais, oui, ceux qui vont me dire, ouais, tonton, mais ça sert à quoi, le gold? Ben, rien, rien du tout, les gars, sur ce compte-là, on n'en fait rien. Qu'est-ce qui reste à débloquer, les gars? Qu'est-ce qui reste? Alors, les émotes de buzz, on peut les prendre, il n'y a pas de souci. Les points de pouvoir, ils servent à rien. Émoticône de buzz, on prend, grosse boîte. Ouais, 82 gold, du stew, du griffouné. Est-ce que vous voulez pas qu'on se fasse une game, les gars? On va se faire une game juste avant l'offre à 10 balles. Vas-y, on se fait une game. Si on fait au moins podium, les gars, ça veut dire qu'on va débloquer le légendaire dans la boîte, dans l'offre. On s'est compris. Voilà. Ok, les gars, donc croisez les doigts qu'on fasse au moins de podium. Au moins top 3. J'aurais pu dire au moins top 1, non. Au moins de podium. Je vais aller chercher la caisse qui est là. Non, on va aller chercher celle-là d'abord. Ok. Alors, lui, vous savez quoi? On va pas l'embêter, le buzz, là. Juste... Ah non, non, non! Attends. Oh, pour de vrai, il bouge pas et tout, en plus, ça. Attends, je suis focus, les gars. Il va me soulever, non. Mais jure-moi qu'il va... Oh! Ok, on s'est fait un peu peur. Un tout petit peu peur, les gars. Mais ça va, on a enfin une caisse, les gars. Ça fait plaisir. On en a une deuxième là où elle a été farmée. Apparemment, elle n'est pas farmée, donc on a deux caisses. Il faut qu'on fasse top 3. Il est absolument interdit, les gars, mais absolument interdit de se cacher. Ce skin, c'est le plus beau de la mise à jour. Je veux pas entendre le contraire, les gars. Ne me faites pas de la peine. Il est trop classe. Ce skin, il est trop classe. Et il coûte que 49 gemmes en plus. C'est plutôt cool, en général. Alors, vous êtes nombreux à l'avoir acheté. Hein. Franchement, la famille, ça fait... Je sais pas si c'est pas le skin dernièrement, parce que je pense qu'il y a eu des skins que vous avez achetés plus... Encore plus que celui-là. Mais dernièrement, c'est vraiment le skin que vous avez le plus acheté. Juste à de me faire soulever. Là, les copains, ça sent pas bon. Ça sent pas bon parce que là, ils ont pas l'air contents. Ils ont pas l'air contents, les frérots, là. Ils ont vraiment pas l'air contents. Ouh là là, il y a des belles de partout. Comment on va faire, là, pour s'en sortir? Comment on va faire? Ok, on s'en sort comme ça. Oh non, je focus par l'autre ou par elle, les gars? J'ai pas du tout vu. Oh non, mais non! Non! En fait,
Top 5, vas-y. Ça me saoule, purée, ça me saoule. Il n'y a que des trucs long range. Mon Stu, je sais que Stu, c'est fort, les gars. Vous allez me dire, mais t'entends la honte, c'est Stu, c'est trop fort. Comment tu fais pour perdre? Les frérots, il est pouvoir, c'est un bébé. Il est petit encore, il est jeune, voilà. Combien de points de santé il a? 2800, les gars. C'est-à-dire que je peux me faire one-shot par certains brawlers. Autant vous dire que ça fait de la peine. Mais c'est pas grave, les gars. Donc, là, d'après mes calculs, d'après mes prédictions, dans cette... Dans cette offre, on va rien avoir. Croisez les doigts, les gars, croisez les doigts pour me faire mentir. Faites-moi mentir. Il faut un clignoting, s'il te plaît. S'il te plaît, le jeu. Oh, combien de boîtes il y a? J'ai même pas vu combien de méga boîtes il y avait dedans. J'ai pas du tout vu, les gars, je sais plus. On avait dit quoi? Il y en avait 12 et 6, je crois. Donc il y en a alors 6, ok. Donc c'est la première. Première, on a rien, ok. Deuxième, on a rien. BA. Vas-y, on se dit pas tous les brawlers, on s'en fout. La troisième, s'il te plaît. Une légendaire. Oh là 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 là. Ce qui me saoule, c'est que là, la prochaine fois qu'il y a une offre comme ça, je vais pas oser la prendre. Parce que je vais me dire, est-ce que ça vaut le coup de mettre 35 balles pour choper deux légendaires, sachant qu'il y a peu de chances qu'on en ait. La quatrième méga boîte, s'il te plaît le jeu. Bon, les copains, j'ai eu un bug sur la fin du pack opening. Grosse PLS. Malheureusement, les 3 méga boîtes qui restaient, on a absolument rien eu dedans. Franchement, je vous les mettrais peut-être en speed là pendant que je vous parle, mais non, on a rien eu dedans. Je suis dégoûté. J'ai le rec a bugué. Franchement, je suis deg. Enfin, je suis deg. Je suis pas franchement deg que le rec est bugué. Je m'en fous parce que de toute façon, on a rien débloqué. Mais je suis surtout deg, les gars, que sur les deux offres à 25 et 10 balles, on n'ait rien eu. Voilà, ça fait de la peine. Ça fait vraiment de la peine. Donc, les copains, ben, je suis dégoûté. Et vous savez quoi? On va se mettre en image de profil. On se met Stu. On va se mettre Stu parce que je sens que Stu, ça fait peur aux adversaires. Voilà. C'est la seule chose que je puisse faire pour vous faire plaisir aujourd'hui, les gars. Et est-ce qu'on n'a pas un lot de consolation? Un petit lot de consolation, vraiment 2-3 boîtes, histoire de peut-être pas finir en PLS. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Non, je pense que c'est la PLS. Oui, je pense que vous avez raison. Ceux qui pensent qu'aujourd'hui, on n'a pas de brawler, je pense qu'ils ont raison. On a juste eu Lou. C'est vrai qu'on aurait pu faire une game avec Lou, mais ça me donne même pas envie, en fait. Vous avez déjà cet émoticon. Ok, donc j'ai des modes. Ah ouais, d'accord. Le fait de débloquer les modes dans le... D'accord, dans le shop, ça me donne une boîte en plus. D'accord, c'est un vrai bug, du coup. C'est un vrai bug. Une dernière boîte, les gars. Une dernière boîte. Oh, je suis malheureux, quoi. Je suis malheureux pour des brawlers, quoi. Ça rime à rien du tout. Les copains, c'est pas grave, on va s'arrêter là. On a quand même pris pas mal d'offres. J'espère que ça vous aura fait plaisir. Moi, je vous fais des gros bisous à tous. Mille merci et demain, on se retrouve pour une vidéo de fou furieux, les gars. Le week-end s'annonce dingue. À très bientôt. Ciao.